Bonjour, je vais faire une intervention où je vais parler pendant à peu près une demi-heure des rapports poète et science-fiction. J'ai appelé ça du vers classique au vers des sables. Et je vais évoquer en fait des poètes qui sont considérés au sens large comme des auteurs de blanche, mais qui se frottent à la science-fiction. Et le plus simple, c'était de regarder ça dans une perspective historique. J'aurais pu faire ça de façon thématique, mais bon, on va rester dans l'historique. Ça permettra de remonter jusqu'à l'Antiquité. Alors, je parle de science-fiction. J'évoquerai très rapidement fantastique et fantasy. Pour les autres genres de l'imaginaire et leur relation à la poésie, ça serait carrément une autre conférence à la limite. Alors, puis après, si j'ai le temps, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps, je parlerai très vite à la fin de ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire des auteurs de science-fiction qui, eux, se mettent à écrire des vers. Mais ce n'est pas le but principal de l'intervention maintenant, c'est vraiment les auteurs de blanche et les poètes qui se frottent à la science-fiction. Alors, la science-fiction, ok, ça commence, je ne vais pas rentrer dans des querelles, machin, ça commence pour moi avec Frankenstein, 1816. Et la proto-science-fiction, celle qui est avant, dont je vais parler maintenant, là, juste après, c'est surtout des textes qui concernent le voyage spatial. Les autres thèmes de la science-fiction, par exemple, voyage temporel ou robot, ça n'apparaît qu'après la révolution industrielle, c'est-à-dire vraiment fin 18e, début 19e. Alors, il y a du voyage temporel, par exemple, dans une pièce de Shakespeare, dans Macbeth. À un moment, les sorcières montrent un défilé des rois futurs, au roi Macbeth. Mais enfin, c'est plutôt du fantastique. Et puis, il n'y aura plus rien, de toute façon, avant 1771 et un texte de Louis-Sébastien Mercier, l'an 2440, Rêve s'il en fut jamais. Pendant tout ce qui est 17e, 18e, 19e, enfin, 18e, on parle plus du tout de ça. Pareil, par exemple, pour les robots. On a des proto-robots dans l'Antiquité. Il y a le mythe de Talos. C'est une statue de bronze qui garde la Crète et qui enserre ses ennemis, les ennemis de la Crète, dans ses bras et qui les fait cuire même. On a même dans l'Iliade, Homère qui évoque des servantes d'or que s'est construit le dieu Héphaïstos. Mais ce ne sont pas vraiment des robots. Et vraiment, le premier robot, il apparaît en 1818 chez Hoffmann. Et c'est encore un automate, c'est une femme automate. Le premier robot, entre guillemets, moderne, ça sera même plus tard, c'est 1886, c'est l'Ève future de Villiers-l'Isle-Adam. Donc, moi, pour l'instant, donc, ce qu'on va voir, c'est, même si des thèmes vont se diversifier à partir du 19e, toute la proto-science-fiction, c'est le champ du cosmique, du voyage spatial, de l'astronaute. Et le premier texte qui vraiment aborde un voyage spatial, c'est dans l'Antiquité, c'est en l'an 160 de notre ère. Donc c'est déjà après Jésus, c'est l'histoire véritable ou histoire vraie, c'est un grec, Lucien de Samosate, qui l'écrit, et c'est un bateau qui est aspiré par une tornade et qui pendant 7 jours va voyager dans l'espace jusqu'à rejoindre la Lune, et là le narrateur va vivre plein d'aventures avant de regagner la Terre. Je vous lis, alors c'est pas des vers, là c'est de la prose, je vous lis rapidement un petit passage parce que ça aura un intérêt ensuite. Une bourrasque soudaine vient nous assaillir avec une telle violence qu'après avoir fait tournoyer notre vaisseau, elle le soulève en l'air à plus de 3000 stades, c'est-à-dire environ 600 bornes, et ne le laisse plus retomber sur la mer. La force du vent, engagée dans nos voiles, tient en suspens notre embarcation et l'emporte, de telle sorte que nous naviguons en l'air pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Le 8e jour, nous apercevons dans l'espace une grande terre, une espèce d'île brillante, de forme sphérique et éclairée d'une vive lumière. Alors, ils y abordent, et quand ils y abordent, qu'est-ce qu'ils voient? Sitôt que la nuit fut venue, nous vîmes plusieurs autres îles voisines, les unes plus grandes, les autres plus petites, toutes couleurs de feu. Ce sont les astres, soit étoiles, soit planètes. Au-dessus, l'on voyait encore une autre terre avec des villes, des fleuves, des mers, des forêts, des montagnes. Il nous parut que c'était celle que nous habitons. On a déjà en 160, donc ça fait quand même pas mal de siècles, une idée de la pluralité des mondes. Et puis surtout cette vision en miroir de notre monde aperçue depuis un autre point de vue.
Je laisse là l'Antiquité, hein, c'est le texte majeur qui est considéré comme un texte, entre guillemets, science-fictive dans l'Antiquité. Le Moyen-Âge, chrétien en tout cas, et même les autres Moyen-Âge, hein, le seul objectif du voyage céleste, c'est rejoindre le royaume divin, l'Empyrée, hein, le règne du feu. Le Moyen-Âge est obsédé par Dieu, absolument. Et l'exemple archi-célèbre, hein, qu'on a, alors c'est en vers cette fois, c'est Dante, hein, 1320. Hein, et en vers, hein, ça s'appelle de la terza rima. Je ne vous fais pas le détail, c'est un système de rimes très sympa, très souple, etc. A, B, A, B, C, B, C, B, C, D, C, peu importe. Dante, il raconte, bon, une descente dans les enfers, en gradin, une remontée sur la montagne du purgatoire, et enfin une ascension céleste dans le paradis. Alors, le paradis est construit à l'inverse de l'enfer, c'est plus des gradins, mais des cercles concentriques, hein, ce sont les fameuses sphères d'Aristote. Et à chaque sphère correspond un ciel, celui de la Lune, de Mercure, de Vénus. Mais finalement, le voyage importe peu. Hein, la transition d'une sphère aristotélicienne à l'autre est instantanée. L'abîme des espaces n'existe pas. Le Moyen-Âge ne s'intéresse pas du tout à ça. Le Moyen-Âge, c'est Dieu. Et on arrive à la Renaissance. Alors, à la Renaissance, on a un autre texte emblématique. Hein, c'est le Roland Furieux de l'Arioste. Ça date de 1516. C'est écrit également en vers. Hein, en huitains dans des décasyllabes. En décasyllabe, c'est un vers de 11 syllabes qui correspond à peu près, point de vue métrique, à notre décasyllabe. Alors, le Roland Furieux de l'Arioste, c'est globalement, c'est proche de la fantaisie. Hein, il y a un hippogriffe, c'est-à-dire moitié aigle, moitié cheval. Il y a anneau, bouclier magique, monstre marin, tout le toutime. Mais il y a un voyage spatial. Et au champ 34, plutôt vers la fin, le paladin Astolphe monte sur son hippogriffe, hein, justement, le fameux bestiau, et il part en quête de la raison perdue du chevalier Roland qui est devenu fou furieux. Et sa raison, elle est partie dans la lune. Il monte sur une montagne, et là, il croise Saint Jean l'évangéliste, qui le fait grimper sur un char de feu qu'ils ont emprunté au prophète Élie. Je lis. Alors, la traduction n'est pas en vers. Dommage parce que les vers sont très beaux, mais je dis déjà pas l'italien moderne, alors enfin, Renaissance, vous imaginez. Le char, décrivant des cercles, s'éleva dans l'air et ils parvinrent bientôt au milieu du feu éternel. Encore le feu. Grâce à la présence du vieillard, ils le passèrent miraculeusement sans ressentir son ardeur. Ils traversèrent toute la sphère du feu et arrivèrent au royaume de la lune. Toute cette région brillait comme de l'acier qui n'aurait eu aucune souillure. Les voyageurs trouvèrent la lune égale, ou peu s'en fallait, au globe de la terre, y compris la mer qui l'entoure et la serre. Là, Astolphe éprouva un double étonnement. Ce fut de voir si grande cette région qui, vue de nos campagnes terrestres, semble une petite assiette. Puis, en regardant en bas, de n'apercevoir que difficilement la terre et les mers qui l'entourent. Comme chez Lucien, hein, on a chez l'Arioste un renversement du regard. Hein, on arrive sur la lune, et ben, notre terre, elle n'est pas plus grosse que petite assiette dans le ciel. Sur la Lune, bon, je vous passe, hein, il va faire vivre 1000 aventures, il va découvrir une montagne de flacons, et parmi ces flacons, il y a celui sur lequel c'est écrit, ça fait très Lewis Carroll, hein, je contiens le bon sens de Roland, et il le ramène sur Terre. La Renaissance, elle a donné aux esprits un nouvel élan dans de nombreux domaines. Hein, l'homme, il se fait plus hardi, plus confiant devant les mystères du ciel. Il y a même chez un auteur une sorte d'ivresse du vol interplanétaire. C'est Giordano Bruno, hein, qui est tristement connu, le pauvre, pour avoir fini brûlé en 1600 en place de Rome. Et Giordano Bruno, quelques années auparavant, en 1584, écrit dans De l'infini, de l'univers et des mondes: C'est donc vers l'air que je déploie mes ailes confiantes. Ne craignant nul obstacle, ni de cristal, ni de verre, je fends les cieux et m'érige à l'infini. Et tandis que de ce globe je m'élève vers d'autres globes et pénètre par-delà, excusez-moi, le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin. Donc là, il y a non seulement la pluralité des mondes, mais on voyage, on fuse à travers cette pluralité, hein, chez Giordano Bruno. Ce vertige de l'infini, on va le trouver dans la Renaissance tardive chez les poètes baroques. Et là, j'en ai trouvé un bel exemple. Mais ce n'est pas le seul du genre, loin de là, celui-là je le trouve particulièrement réussi, c'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est un sonnet de Madeleine de l'Aubépine, hein, c'était une dame d'honneur de Catherine de Médicis, c'était une amie de Ronsard,
Et elle est morte en 1596, hein, juste avant 1600. Et donc, dans ce poème, qui est un poème d'amour, mais elle convoque pas moins de sept planètes, enfin six planètes plus la Lune, les étoiles et le Soleil. Alors, c'est un sonnet. Hein, le sonnet, je pense que vous connaissez tous la construction, c'est deux quatrains et deux tercets. Deux de quatre, deux de trois. Dans les quatrains, je vous le lis, puis après, je fais un petit commentaire, en fait, c'est le plus simple. L'on verra s'arrêter le mobile du monde, les étoiles marcher parmi le firmament, Saturne l'infortuné luire bénignement, Jupiter commander dedans le creux de l'onde. L'on verra Mars paisible et la clarté féconde du soleil s'obscurcir sans force et mouvement, Vénus sans amitié, Stilbon sans changement, et la Lune en carré changer sa forme ronde. Stilbon, c'est Mercure pour les Grecs, la planète Mercure. Le feu sera pesant et légère la terre, l'eau sera chaude et sèche, et dans l'air qui l'enserre, on verra les poissons voler et se nourrir. Plutôt que mon amour, à vous seul destiné, se tourne en autre part, car pour vous je fus né. Je ne vis que pour vous je veux mourir. Bon, c'est du baroque à l'état pur, avec des effets de miroir, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est donc ces planètes et étoiles qui se trouvent dans les deux quatrains initiaux. Hein, je reprends. L'on verra s'arrêter le mobile du monde. Donc on verra la Terre s'arrêter. On verra les étoiles marcher parmi le firmament. Les étoiles sont sur la sphère des fixes. Ça fait des constellations, ça ne bouge pas. Saturne infortuné, luire bénignement. Alors, Saturne, là, on commence à être dans la mythologie, hein, Saturne. Il y a aussi le côté triste, sinistre. Mais il ne luit pas bénignement, faiblement, il luit fortement. Hein. Saturne, c'est une des planètes comme Jupiter, quand vous voyez ça le soir, ça brille très fort. On verra aussi Jupiter commander dedans le creux de l'onde, encore une fois mélange astronomie et mythologie, parce que Jupiter, le roi des dieux, commande le ciel, et s'il commande le creux de l'onde, la mer, c'est qu'il prend la place de Neptune. L'on verra Mars paisible, c'est-à-dire Mars, le dieu de la guerre, qui deviendrait paisible, la planète, hein, toujours mélangée. On verra la clarté féconde du soleil s'obscurcir, hein, le soleil deviendra noir. Vénus, autre planète sans amitié, alors aussi mélange avec la mythologie, hein, Vénus déesse de l'amour, Stilbon sans changement, Mercure sans changement. C'est pas que Mercure, bon, Mercure a des phases, mais à l'époque on les a pas observées. C'est surtout que le Mercure, là, c'est le Mercure alchimique, hein, qui est un métal symbole de changement, ce métal fluide qui coule à température ambiante. Et on verra enfin la Lune en carré, hein, changer sa forme ronde. Donc après, on bascule dans le premier tercet, dans quelque chose de plus alchimique, hein. Le feu sera pesant et légère la terre. On inverse les propriétés alchimiques des deux. L'eau sera chaude et sèche, et dans l'air qui l'enserre, on verra les poissons voler et se nourrir. Hein, donc les poissons se mettent à voler, tout est renversé. Donc tout ça arrivera préférentiellement au fait que je ne vous aime plus. Donc je vous aime pour toujours, etc. Hein. C'est une sorte de raisonnement par l'absurde. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette convocation de tous ces éléments, de toutes ces planètes, de tous ces astres. Et puis, en mettant en scène des concepts qui sont liés à la distance astronomique, mais en les reliant à un sentiment bien terrestre, on est dans quelque chose qui n'est pas très loin de la science-fiction, même si ce n'est pas de la science-fiction. Bon, je laisse là les baroques. Au 18e, c'est un siècle de philosophes, c'est un siècle d'écrivains, de novellistes. Il y a très peu de poètes au 18e. Hein, le siècle des Lumières n'est pas un siècle de poésie. Hein, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, c'est surtout et avant tout des philosophes et des prosateurs. Cas un petit peu à part pour Voltaire, qui a à la fois écrit de la poésie et du théâtre en vers, mais plus personne ne lit la poésie de Voltaire ou ne lit par exemple, il a écrit une Henriade, une épopée en vers, qui d'ailleurs n'est pas extrêmement réussi, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, quoi. Bon, pareil, hein, je veux dire, chez les Anglais, Hume ou Swift, chez les Allemands, Kant ou Leibniz, hein, les grands auteurs, en tout cas pour les trois premiers quarts du 18e, ne sont pas du tout des poètes. Il y a André Chénier, bon, qui à un moment. Raconte aussi une espèce de voyage spatial dans son Hermès. Il y a l'anglais Jung, il y a l'allemand Klopstock qui ont écrit des fresques. Klopstock, c'est carrément la Messiade, hein, c'est en 20 chants l'histoire du Messie, en vers bien sûr. Et il y a un voyage cosmique à un moment d'un séraphin en quête de la demeure de Dieu. Les romantiques qui apparaissent plutôt en Allemagne,
et en Angleterre qu'en France. Hein, ils apparaissent vraiment de façon concomitante avec la révolution industrielle. Eux vont proposer des voyages un peu du même genre que les voyages précédents. On a même, j'ai pas le temps là de vous le lire, mais on a chez Jean-Paul Richter, c'est un des grands écrivains romantiques allemands, on a un voyage carrément au travers des galaxies. Or, à l'époque, on n'est même pas sûr de ce que sont les galaxies. Un Messier a fait son catalogue des objets du ciel profond vers le milieu du 18e, mais on a une espèce d'intuition de vol à travers la Voie lactée, puis après il voit d'autres voies lactées autour de lui. Donc c'est assez fascinant là de voir que la poésie presque devance la science, parce qu'on est vraiment sûr qu'il y a des galaxies depuis les années 1920, pas avant. Hein. Alors, je vous passe les autres romantiques, Novalis, il y a Goethe. Bon, Goethe, c'est plus dans la fantaisie ce qu'il fait, hein, Le Roi des Aunes ou La Coupe du Roi de Tulé. Coleridge, pour les romantiques anglais, Kubla Khan, pareil, c'est du merveilleux, quoi. Et puis, on arrive à un romantique, si on veut, enfin, il a été romantique, mais pas que, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo a énormément écrit sur le ciel étoilé. Et a même montré des visions d'étoiles qui sont carrément monstrueuses. Je vais vous lire par exemple un poème qui est paru bon, vers la fin de sa vie, hein, dans Les Quatre Vents de l'Esprit, 1881. C'est, je crois, son dernier recueil de poèmes. Aldébaran, c'est une étoile, hein, c'est une géante orangée, une des étoiles les plus brillantes du ciel qui est dans le taureau. Et Hugo, lui, explore donc l'infini, mais il voit les monstruosités de l'infini. Hein, c'est Hugo, quoi. Je vis Aldébaran dans les cieux. Je lui dis, ô toi qui luis, ô toi qui d'éclair paradis ou des hideux enfers portes la torche énorme, toi seul connais ta loi, je ne vois que ta forme. Dans cette mer de l'être, tout s'erre ou tout nuit, qu'es-tu? Fanal peut-être au cap noir de la nuit, peut-être feu de proue à l'avant d'un navire. La vie autour de toi naît, meurt, flotte, chavire, astre. Quand l'univers naquit, fauve et sacré, tu ne fus pas le jet le moins démesuré de ces convulsions terribles et de l'onde, de chaos frémissant de devenir le monde. Tu fais partie, ainsi que l'hydre et l'alcyon, du rythme monstrueux de la création. Tu complètes l'horreur sidérale et tu scelles, comme une strophe ardente et faite d'étincelles, l'immense hymne étoilé qu'on appelle le ciel. Voilà, donc, y a dans un autre poème extraordinaire ce que dit la bouche d'ombre, qui est dans les contemplations, pardon, il y a l'hydre univers tordant son corps écaillé d'astres. Bon, j'en avais choisi un certain nombre, je vois que l'heure tourne, je zappe. Hein, c'est dommage parce que Hugo, il y a de très très beaux passages. Il y a un poème qui s'appelle La Comète, qui doit faire 250 vers, qui est absolument splendide. Et autre poème magnifique de Hugo, de 900 vers, hein, rien que ça, hein, Hugo, c'est l'homme du too much. C'est dans les contemplations, Magnitudo Parvi, Grandeur du Petit, où il se balade avec sa fille Léopoldine, hein, celle qui va mourir noyée. Il lui montre une étoile dans le ciel et lui dit, elle te paraît toute petite, mais si tu t'approchais, ce serait un monstre rugissant. Il y a tout le voyage vers ce monstre rugissant. Hein, c'est assez fascinant. Là, on est vers le milieu, fin du 19e, hein, donc on approche de notre période actuelle. Vers le milieu fin 19e, il y a également Le Comte de Lisle, hein, qui, et lui, n'est pas un romantique, c'est un parnassien, c'est-à-dire c'est en réaction au romantisme, c'est l'art pour l'art, hein, c'est Théophile Gautier, c'est Heredia. Et alors, il nous fait visiter la Lune, lui. C'est un monstre difforme, abrupt, lourd et livide, le spectre monstrueux d'un univers détruit, jeté comme une épave à l'océan du vide. Enfer pétrifié, sans flammes et sans bruit, flottant et tournoyant dans l'impassible nuit. Là, j'ai pas le temps parce que le poème est long, mais après il y a toute une description, hein, des écroulements horribles, mornes, immenses, qui se produisent en silence. Hein, on sait qu'il n'y a pas d'air sur la Lune à l'époque déjà. Et c'est assez impressionnant. Hein, on a des visions qui sont déjà des sortes d'images de science-fiction. Et ça nous amène à Jules Laforgue. Alors Laforgue, c'est un poète qui est mort très jeune. Hein, il a la malédiction des 27 ans. Hein, il est mort en 1887 de tuberculose. Ce qu'on appelle un poète maudit, même s'il est considéré au sens large comme un symboliste. Et alors Laforgue, il a consacré énormément de textes à la Lune, mais également aux étoiles. C'est quelqu'un qui a déjà vraiment clairement un sense of wonder. Hugo a un sense of wonder, et je vous ai pas parlé de la prose de Hugo, mais il y a un truc qui s'appelle le promontoire du songe, où il observe la Lune dans un télescope avec un ami astronome, où il y a déjà ce sense of wonder. Et il est vraiment frappant chez Laforgue.
Je vais vous lire un sonnet d'Anne Laforgue. En gros, la Terre, c'est un petit machin, trop pépère, et il y a tout le reste de l'univers. Et moi, Laforgue qui vit sur Terre, jamais je connaîtrai toutes ces merveilles qu'il y a ailleurs, et ça me saoule. Même le temps passe encore plus, je vais carrément choisir l'impossible. Je puis mourir ce soir, c'est le titre, hein, l'impossible. Je puis mourir ce soir, averse, vent, soleil, distribueront partout mon cœur, mes nerfs, mes moelles. Tout sera dit pour moi, ni rêve, ni réveil. Je n'aurais pas été là-bas dans les étoiles. En tous sens, je le sais, sur ces mondes lointains, pèlerins comme nous des pâles solitudes, dans la douceur des nuits, tendant vers nous les mains, des humanités sœurs rêvent par multitude. Il y a plein d'extraterrestres partout qui rêvent, hein, qui se sentent seuls, qui rêvent de nous rencontrer. Oui, des frères partout, je le sais, je le sais. Ils sont seuls comme nous, palpitants de tristesse. La nuit, ils nous font signe. Ah, n'irons-nous jamais? On se consolerait dans la grande détresse. Les astres, c'est certain, un jour s'aborderont. Peut-être alors luira l'aurore universelle que nous chantent ces gueux qui vont l'idée au front. Ce sera contre Dieu la clameur fraternelle. Hélas, avant ces temps, averse, vent, soleil, auront au loin perdu mon cœur, mes nerfs, mes moelles. Tout se fera sans moi, ni rêve, ni réveil. Je n'aurais pas été dans les douces étoiles. Une nostalgie du voyage spatial à travers toutes ces planètes. Le temps file, le temps file. Je voulais vous lire Faune et flore de la Lune, qui est un poème extraordinaire de Laforgue, où il décrit des paysages lunaires avec une fantaisie incroyable, mais c'est un beaucoup trop long poème, et même des extraits, je ne pourrais pas, mais je vous le conseille, hein, Faune et flore de la Lune de Laforgue. On approche donc de la fin du 19e, on a un autre symboliste, Mallarmé, hein, qui est le plus hermétique, on va dire, des symbolistes, et même sans doute des poètes tout court, dans un texte relativement lisible qui s'appelle Le phénomène futur. Assez dépressif, je ne vais pas vous le lire non plus. Il décrit une humanité future. Alors, c'est un poème en prose, hein. Et il y a un montreur de choses anciennes qui expose une femme du passé et tous les gens du futur qui sont là avec leurs pauvres épouses chauves, morbides et pleines d'horreur. Ils sont là en admiration devant cette femme du passé. Très beau texte que je ne lirai pas maintenant. On aborde la fin du 19e, justement, avec encore un symboliste, un Mallarmé symboliste, Laforgue aussi. Là, c'est un symboliste tardif qui s'appelle Ivan Gilkin, qui est moins connu que les deux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus dans le spatial, tout d'un coup. On arrive dans quelque chose, en gros, vous allez reconnaître, c'est un monstre de Pulps. Quelqu'un a dévissé le sommet de ma tête. Mon cerveau rouge luit comme une horrible bête. Sac vineux d'une pieuvre énorme, il s'arrondit, il palpite, il s'agite et tout à coup bondit. Traînant de longs filets de nerfs tentaculaires, il nage peuplant l'air de suçoirs circulaires. Je vais pas plus loin, hein, mais le cerveau pieuvre qui s'échappe de la tête. Il y a un certain nombre de vers et ça se termine. Et le repas fini, la monstrueuse bête rentre pour digérer et dormir dans ma tête. Hein, on arrive donc à quelque chose qui débute du domaine du spatial. Et là, au XXe siècle, il y a plein de mouvements isme, hein, dont le futurisme. Alors le futurisme, par exemple, de Marinetti, hein, qui est un Italien, fait l'apologie des brutales lumières électriques contre la presque moisie clarté lunaire qu'on avait auparavant et veut faire une poésie justement d'électricité. Hein, ça correspond à ce que font un certain nombre de peintres, dont des futuristes italiens, un futuriste russe, Mayakovsky. Hein, alors les futuristes russes, ils se qualifiaient eux-mêmes de Budetlianine, c'est-à-dire de gens du futur. Et je vous lis quand même un petit extrait de son Prolétaire volant, parce qu'il y a eu la révolution soviétique entre-temps. Le citoyen, bon, il s'est réveillé, tout ça. Et donc c'est un poème en plus avec des effets sur la page que je ne peux pas rendre à l'oral. Un dirigeable qui se dirige vers son lieu de travail s'approche jusqu'à la corniche, l'usine, la centrale de l'air. On fait ici de l'air pressé pour les communications interplanétaires. Un petit cube pour une cabine de n'importe quelle dimension et pendant 24 heures, on respire l'odeur des pins.
je vous passe tout le passage à l'usine. Et le soir, eh ben, le gars, d'abord, on travaille que 4 heures dans le monde imaginé par Maïkowski. En soirée, on fait de l'avion pour se distraire. Et une fois qu'on est descendu de l'avion, on rentre chez soi. Un bouton, tu le touches, l'avion se replie, se met dans un coin, comme un parapluie. Et puis le citoyen du 30e siècle va enfin se coucher. Alors, on a là-dessus, après le futurisme, on a le surréalisme qui passe. Peu d'auteurs surréalistes se seront intéressés aux sciences, entre guillemets, dures. Et on a Desnos, par exemple, qui a écrit un poème sur les étoiles, la lune et tout ça, mais c'est plutôt mythologique. Par contre, là, je vais vous lire trois poèmes du XXe siècle qui, eux, sont pas des gens, trois poètes, hein, qui ne sont pas des gens qui ont participé au surréalisme, hein, surréalisme, c'est à partir de 1924, hein, qui s'en sont tenus éloignés, mais qui ont forcément été influencés. Alors, on a Jules Supervielle, hein, qui est mort en 1960, et qui a écrit dès 1925, dans ce recueil Gravitation, ce petit poème rigolo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Planète. Le soleil sur Vénus se lève. Sur la planète, un petit bruit. Est-ce une barque qui traverse, sans rameur, un lac endormi? Est-ce un souvenir de la Terre venue gauchement jusqu'ici? Une fleur tournant sur sa tige, son visage vers la lumière parmi ses roseaux sans oiseaux, piquant l'inhumaine atmosphère? On a Guy Vic, hein, Eugène Guy Vic, un Breton qui a écrit des poèmes splendides avec une grande économie de moyens. Et en 1942, dans Terraqué, un de ses recueils, il y a ce poème Monstre. Il y a des monstres qui sont très bons, qui s'assoient contre vous les yeux clos de tendresse, et sur votre poignet posent leurs pattes de velours. Un soir où tout sera pourpre dans l'univers, où les roches reprendront leur trajectoire de folle, ils se réveilleront. On est à nouveau un peu dans le cosmique. Enfin, bah tiens, un poème sur les machines. 1973, Maurice Carême, hein, qui n'est pas qu'un poète pour enfants, dans son recueil L'envers du miroir. Les machines avaient commencé par rire comme des enfants qui semblaient vouloir amuser les gens de tous les continents. Puis elles avaient tant grandi qu'elles étaient devenues comme des adolescents puis des hommes, précieusement munies d'outils. Enfin, se fiant au silence et à la morne indifférence de ceux qui en usaient, elles se mirent lentement à devenir ces lourds géants qui nous broient dans leurs raies, raies dans le sens de filet. Il y a un certain nombre de poètes, je vois que l'heure tourne, donc je vais abréger, hein. Il y a un certain nombre de poètes du XXe siècle, Jean Rousselot par exemple. Il y a Pierre Gamarra, Boris Vian a également écrit des poèmes qui étaient plus des poèmes jeunesse. Hein. Je vais vous lire René de Obaldia, hein, qui est un auteur dramatique et poète, parce que je l'aime bien ce début de poème. C'est dans Innocentine, 1969, ça s'appelle Les soucoupes volantes. Moi, je les ai vues, les soucoupes qui volent, quand maman qui a bu les lance sur un atoll. Un atoll, c'est papa. 1,53 m et la moustache à rat. Maman peut plus le voir quand il rentre le soir. Oh là là, oh là là, commence un sacré branle-bas. Du bout du grand salon à l'autre bout du fond, volent les soucoupes, volent, pigeons, pigeons, soucoupes, volent. Bon, c'est un jeu, hein. Ouais, le poème continue, hein, je l'ai abrégé. Alors, pour terminer rapidement, là j'ai abordé la poésie en vers. Hein, alors que c'est jusqu'à la forme à peu près, ce sont des vers classiques, même si Hugo commence déjà à les tordre. Hein. À partir de tout début du XXe, les gens écrivent souvent en vers libre. Hein, il peut y avoir aussi du vers rimé, y compris, là je vais parler tout dans un instant, d'un poète actuel qui écrit en vers rimé de choses très très belles. Il y a d'autres façons d'écrire de la poésie, ce qu'on appelle la poésie en prose. Hein. C'est Aloysius Bertrand au milieu du XIXe siècle avec Gaspard de la Nuit, merveilleux petit recueil proche de la fantaisie, hein, à lire. Il y a également Baudelaire avec les petits poèmes en prose, hein, qui est un peu plus tard, hein, vers 1860 et des brouettes. Au XXe siècle, par exemple, Henri Michaux, un grand grand poète mort en 1984, a écrit un certain nombre de poèmes en prose, hein, ce sont des petites choses, de quelques lignes à 10, 15 lignes maximum, qui sont dans un univers qui est proche de la fantaisie, de la science-fiction, c'est assez dérangeant souvent.
Il y a Michel Butor également, hein, écrivain du nouveau roman, et qui a écrit énormément d'autres choses, et qui a écrit des poèmes en prose. J'aime beaucoup, moi, de Butor, ce qui s'appelle L'herbier lunaire. C'est paru en 1995. Tiens, je vous en lis un. J'en avais sélectionné cinq, mais je vois qu'il est déjà 14 heures. Alors. Donc, il fait une sorte de nomenclature des plantes lunaires, et il y a le Brassica ingenii. Les feuilles de ce chou ingénieux sont couvertes de lignes de caractères qui singent ceux de notre imprimerie. Un des triomphes de l'horticulture lunaire est l'obtention d'une variété qui, dans les meilleurs spécimens, d'une taille impressionnante, reproduit à peu près le texte du Petit Larousse dans son édition de 1926. Mais rien jusqu'à présent qui évoque, même de loin, les illustrations. C'est du poème en prose, c'est particulier. On a aussi autre variante de la poésie. Poésie en musique, la chanson. Alors, le spécialiste en France de ça, c'est Guy Béard, hein, qui a publié en 1977 un album entier, Futur Fiction Fantastique, avec une pochette de Moebius. Et vous avez Les Collines d'Acier, Les Temps étranges, Enfant sur la Lune, ou le célèbre Étoile garde à vous, qui a été repris pour donner le titre français de Starship Trooper de Anne Line. Bon, je ne parle pas carrément du monde anglo-saxon, hein, entre Bowie avec Space Oddity ou Starman, il y en a un tas. Il y a Gong avec Camembert électrique, ou il y a la théière volante, hein, le Flying Teapot de la planète Gong. En France, on a d'autres chansons. Hein, on a, bon, ça va de Boris Vian avec la Java des bombes atomiques, jusqu'à un truc que j'aime pas du tout, Charlie Lee Couture, qui s'appelle La Suprême Dimension. C'est une chanson de 87 où, en gros, il mélange les auteurs de science-fiction avec les soucoupes aux mânes, les lecteurs de science-fiction avec les soucoupes aux mânes, à casquette, à hélice, tous ces trucs-là. Alors, ces petits tours d'horizon, il fallait quand même que avant de le conclure, que je parle de deux choses. D'abord, il y a un poète, alors attendez, que je récupère. Voilà. Il y a un poète qui a fait des recueils, qui est un poète de littérature blanche, hein, Charles Dobzinski, mais qui a fait plusieurs recueils uniquement de science-fiction, dont celui-ci, hein, qui s'appelle, ah ben c'est à l'envers, en tout cas pour moi, L'Opéra de l'espace. Hein, ça date de 63, et c'est un recueil entier avec la dernière galaxie, vue de Saturne, de Vénus. Il y a des cosmogrammes, phonétique des étoiles. Les mondes morts. Je n'ai pas le temps de le lire, mais c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une poésie moderne, hein, c'est-à-dire vraiment des années 1960, mais orientée science-fiction. Et un autre auteur, alors lui, c'est pas vraiment, vraiment science-fiction, c'est Jacques Reda. Jacques Reda a écrit toute une série de recueils, hein, qui La physique amusante, j'ai le premier tome, Lettres aux physiciens. La nébuleuse du songe, le tout, le rien et le reste, qui sont basés, alors ouais, ça fait un paquet de poèmes, quoi, qui sont basés sur, voilà, sur la science et la rêverie sur la science. Je vous en lis un pour le fun, parce que vraiment, c'est sympa. C'est un petit peu en dehors, c'est pas vraiment de la science-fiction, là, on est vraiment dans la science. Mais je vous lis Les Neutrinos, donc, qui est paru en 2009 dans La physique amusante. Et c'est du vers classique. Hein. Ce sont des heptasyllabes, des vers de sept syllabes. Je viens de vérifier. Partout dans notre univers, en long, en large, en travers, le neutrino neige, neige. Nulle part il ne s'agrège. Toujours à déménager pour neiger, neiger, neiger. Infiltrant par myriades, Andromède, l'Iliade, l'air, le feu, l'eau, le moellon, des kilomètres de plomb lui sont une promenade et sa paisible tornade tourbillonne jour et nuit. Sans poids, sans souffle, sans bruit, sans fin, il va comme en flamme dans mes veines, sous mon crâne, subreptice et volatile. D'où vient-il et que fait-il? Il se borne à redescendre, comme s'il était la cendre que le bang inaugural laissa dans le vide astral. Loin de cette incandescence, on le croit toute innocence, mais c'est une lourde erreur. Il peut semer la terreur, car s'il avait une masse, c'est un point qui nous tracasse, et qu'elle fût environ le dixième du millième de celle de l'électron. Le doux neutrinos bohème, à force de saupoudrer l'univers et ce poème, le ferait s'effondrer. C'est joyeux, c'est enlevé. Et Jacques Reda, il y a un certain nombre d'autres textes de lui qui sont de cette même eau. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation des auteurs de Blanche qui s'intéressent à la science-fiction. Un tout petit coup, deuxième point que je voulais aborder pour conclure, l'inverse. Bon, alors évidemment, quand on parle
Poésie, science-fiction, on peut avoir Bradbury en tête, bien sûr. On peut avoir, à mon avis, ce qui est encore plus pertinent, je sors le pavé, Cordona Smith, l'essayer en instrumentalité. Il y a même un des textes qui est directement inspiré du bateau ivre de Rimbaud. Moi, je voulais vous montrer trois, quatre petites choses. Alors déjà, par exemple, un auteur comme Zelazny a écrit à la fin des années 70, a compilé, parce qu'il les avait écrits avant, hein, justement pas écrit, mais compilé, tous ses poèmes depuis la fin des années 1950 aux années 1978-79. C'est très elliptique. J'ai essayé de traduire, parce que si on ne retrouvera pas ça en traduction, hein, quel éditeur prendrait le risque. Il y a un hommage à Philippe Caddy quelque part. Mais en tout cas, voilà. Hein, donc vous avez When Pussy Willows Last in the Catyard Bloom de Zelazny et un autre qui s'appelle To Spin His Miracle Cat qui est là. Je les ai trouvés. Moi, je crois que c'est une librairie australienne qui me les a envoyés. Hein. Donc de la poésie écrite par des auteurs de science-fiction. Fritz Leiber a écrit de la poésie, Samuel Delany aussi. Et puisque je parle de Samuel Delany, je conseille ce merveilleux petit livre aussi. Hein. Je ne crois pas que ce soit réédité, on le trouve d'occasion, en ligne ou chez des librairies, des bouquinistes. C'est La Ballade de Bêta 2. Ça ressemble à du Cordona Smith, sauf qu'en plus, il y a un long poème, une ballade, et le personnage principal est étudiant en littérature qui fait une thèse, et sa thèse porte sur cette ballade. Ça le gonfle d'ailleurs, on l'a imposé de faire ça. Et puis, en étudiant cette ballade, au départ, il ne comprend pas, il va s'apercevoir que ça raconte le destin terrible d'un vaisseau générationnel et ce qui s'est passé à bord. Et c'est une pure merveille, La Ballade de Bêta 2 de Delany. Enfin, un autre auteur que j'aime beaucoup et qu'on lit plus trop, c'est Raphaël Aloysius Laferty. Laferty qui est connu pour ses nouvelles extraordinaires, hein, Histoire d'un crocodile secret, par exemple. Il y en a une centaine qui sont fabuleuses. Neil Gaiman est un grand fan de Laferty. De Laferty, moi, je conseille Les Champs de l'espace. Ça fait penser à Ulysse 31, c'est-à-dire c'est une projection de l'Odyssée dans le futur. Mais cette édition-là est très sympa. Bon, je l'ai en Galaxy Bliss, hein, c'est un vieux truc des années 70. Hein, les pages sont toutes jaunies maintenant. Traduit par Mimi Perrin, hein, qui est une super traductrice. Et on a des poèmes qui constellent, en tout cas en exergue en début de chaque chapitre, on a une partie versifiée. Et chaque chapitre aussi se termine par des vers. Alors c'est pas entièrement en vers, mais il y a pas mal de vers. Laferty, Les Champs de l'espace. Et cette fois-ci, j'avais annoncé une demi-heure, j'ai un peu dépassé, j'ai mis 37 minutes. Je vais maintenant passer sur l'autre partie, c'est-à-dire que moi je vais me connecter pour un petit atelier d'écriture poétique que je vous propose. Cet atelier d'écriture, c'est un atelier de haïku, c'est-à-dire de petits poèmes en trois vers. Alors le haïku traditionnel, c'est 5, 7, 5. Alors, je parle de syllabes, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, d'abord, c'est pas obligé. Il y a plein de gens, même chez les Japonais, qui font des haïkus qui ne sont pas forcément du haïku classique. Hein. En poésie, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu tout le droit maintenant de faire. Alors, on peut respecter les règles, et donc si on a besoin de cette contrainte, on s'y astreint, ou alors on s'en affranchit. Je vous ai mis sur le site là, de Nice Fiction quelques exemples de haïkus classiques, d'autres moins classiques, et même je vous ai mis quelques haïkus science-fiction. Ils sont écrits, hein, j'avais même vu qu'il y avait des listes de diffusion de haïkus aux États-Unis. Et en France, c'est Pierre Gévard qui, dans Géante Rouge, il y a une douzaine d'années maintenant, vers 2008, ça devait être, il avait publié un certain nombre de haïkus de science-fiction. Je sais que j'en avais placé quelques-uns, mais il y en avait de plein d'autres auteurs. Alors, je vous rejoins maintenant donc sur l'autre partie. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.